Jemile makuma o, ewu ya se ya ilo jamta imale, ewu ya se ya ilo jamta imale. Bah, je sais pas, je vais m'aiser. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, Dieu, après avoir créé les animaux, après avoir créé toute la création, était devenu une sorte de juge de leur combat perpétuel. Ce jour-là, c'était la poule qui se plaignait de l'épervier. Tel jour, c'était l'antilope qui se plaignait du lion, etc., etc. Dieu était fatigué. À un moment donné, il dit, bon, ce qu'on va faire, vous allez élire un représentant. Moi, je vais me retirer dans mon royaume céleste. Et quand il va avoir des problèmes, celui qui va me représenter va se charger de régler les différends qui vous opposent. OK. Mais qui allait choisir les animaux? Quels auraient été les critères qui auraient permis de déclarer que tel ou tel était mieux placé pour être le représentant de Dieu? Chacun a donné son critère, et à un moment donné, il y a un qui a dit, mais on pourrait choisir celui qui est le premier, celui qui a été le premier à être créé par Dieu. De ce fait, il serait plus sage, par exemple, il serait plus âgé. Ah oui, oui, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bon. Ce qu'on va faire, chacun va venir nous dire ce qui fait qu'il pense qu'il est le premier habitant sur la terre. Et donc, ils ont défini. Le lion est venu. Oui, quand moi j'ai été créé, il n'y avait rien sur la terre. Et puis c'était moi, et puis ci, et puis ça. C'était un peu douteux, mais quand le lion parle, personne ne peut parler. Mais le lièvre, comme on le connaît, il a dit, toi tu étais le premier. Tu dis que tu étais le seul. Mais tu te nourrissais de quoi? S'il n'y avait personne d'autre, on l'a écarté. Donc chacun, ils ont défilé. Je vais pas vous faire la liste de tous les animaux de la création. On sera ici jusqu'en 2020. Alors qu'en 2020, on a des choses à faire en Côte d'Ivoire. Finalement, c'est arrivé autour du Calao. Le Calao dit, moi, c'est moi qui ai été le premier habitant sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, le Calao, c'est un oiseau. Il dit, quand j'ai été créé, ma mère et moi, on n'avait aucun endroit où nous poser parce que il n'y avait que l'eau sur la terre. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Et ma mère et moi, on était obligés d'être dans l'espace comme ça. On ne faisait que être dans les airs. À tel point que quand ma mère est décédée, je n'avais aucun endroit où l'enterrer. J'ai été obligée de me fendre le crâne pour l'enterrer. D'où la bosse que j'ai sur la tête. Parce que le Calao, il a une grosse bosse sur la tête. Oh, c'était convaincant. Oh, oh, vraiment, quel enfant, c'est cute. Oh, il aime tellement sa mère. Il dit, mais la preuve, j'ai ma mère partout avec moi. Et ça s'est inscrit dans les gènes de tous les descendants de Calao. Donc maintenant, quand ils viennent au monde, ils ont cette bosse sur la tête. Bravo, wow, on a trouvé le représentant. C'est vrai ce que tu dis, c'est plausible. Et bon, on va l'introniser, comme on vient de faire pour M. Luc Bobouri. Il y a les dames qui sont venues danser et tout. Et ils ont dit, bon, on va aller appeler maintenant le représentant de Dieu et puis on va faire si pire. On entend une voix, menteur! On se tourne, on voit arriver le Calao. Vous allez m'aider à chanter la chanson qui accompagne la danse, la marche du Calao.
vous allez dire Damouye, c'est tout. Hein. Damouye. Damouye. Voilà. Oh, Damouye. Oh, Damouye. Damouti ici, Damouye. Damouti ici, Damouye. Plus haut, haut. Damouye. Plus haut, haut. Damouye. Vous voyez comment le caméléon marche là? Oh, Damouye. Oh, Damouye. Damouti ici, Damouye. Damouti ici, Damouye. Plus haut, haut. Damouye. Plus haut, haut. Damouye. Et donc, le caméléon a traité le Kalaou de menteur. Il dit, tu es un menteur. Tu n'as pas été le premier à avoir été créé. Tu dis que tu t'envolais dans les airs. Mais tu racontes n'importe quoi parce que toi, le Kalaou, tu n'es pas capable de voler longtemps. Tu es obligé de te poser sur un arbre au bout de quelques temps de vol. Donc, ce n'est pas possible, c'est faux. Mais c'est moi qui ai été le premier à avoir été créé sur la terre et je vais vous prouver pourquoi. Effectivement, quand Dieu a créé la terre, il y avait seulement l'eau. Et à un moment donné, l'eau a commencé à se retirer. Donc, il y avait des petits monceaux de terre disséminés un peu partout. Et c'est là que moi, j'ai fait mon apparition. D'où ma démarche. Vous voyez? Oh, oh, Damouye. Oh, oh, Damouye. Damouti ici, Damouye. Damouti ici, Damouye. Plie, wo, wo. Damouye. Plie, wo, wo. Damouye. Parce que, à cette époque, c'est vrai que la terre avait commencé à faire son apparition, mais elle était encore meuble. Elle était encore molle, il y avait encore de l'eau. Donc il fallait prendre, avoir marcher avec précaution. D'où cette habitude qui est restée dans mes gènes. On a vu que là c'était vrai. Et le caméléon a été applaudi. Et il a été intronisé représentant de Dieu sur terre parce qu'il a prouvé qu'effectivement c'est lui qui avait été créé le premier. Et il dit, toutes les biches et puis les antilopes qui sautent partout là, c'est quand la terre était vraiment ferme maintenant que vous allez faire votre apparition. Sinon, c'est moi. Et c'est de là que vient l'expression qui dit que lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher. On peut chanter encore? Oui. Et c'est ainsi que le caméléon a été intronisé. Maintenant, je vais adapter ça à ce qui nous rassemble ici ce soir. Monsieur Luc Bobiri, vous avez été intronisé aujourd'hui comme étant le représentant de Monsieur Laurent Gbagbo, donc du FPI au Canada. On a tendance à dire que les politiciens sont des menteurs. J'espère que vous ne le ferez pas parce que, lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher. Donc, si vous mentez au peuple, tôt ou tard, la vérité va vous rattraper. Donc, souvenez-vous du caméléon. On peut faire la politique autrement. On n'est pas obligé de mentir. C'est vrai qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner comme ça tout de go à la population, mais on n'est pas obligé de dire que la Côte d'Ivoire est par exemple la cinquième puissance du monde. Alors, la vérité finit toujours par être le mensonge. Merci.